référendum dans mois juin cap Vinila pendant acteur politique yor était divisé sous initiative pouvoir prendre dans sens ça. Alors 27 juin qui a Vinila, oui, une nouvelle date, une date qui a annoncé les couleurs puisque dirigeants de l'opposition continuent à lancer appel pour boycotter activité ça pendant gagnant ministre intérieur collectivité territoriale qui menacé pour mettre en bas corde n'importe monde qui t'a gagné intention gâter référendum non dans une situation comme ça jouette là paraît Boussal guerrier. Oui, voilà. Donc, on n'a pas gagné pour nous retourner avec un référendum, puisque gagné en pile réaction qui a sorti en pile dirigeant politique et organisation yo a pris position par rapport à question référendum. Non, mais entre-temps, ben, nous allons parler de libération contre rançon la nuit 27 pour l'ouvrir matin, étudiante Vélinda Charpentier à Caralph, Larionne, bandité kidnappée. Ça a gagné 9 jours, c'était un jeudi dans la zone Pétionville. En tout cas, traumatisé, Vélinda Charpentier prêt à rejoindre la famille, excepté maman qui était mourie. Quelques minutes après, elle était fine après une nouvelle, yo kidnappé et petite fille. Alors que papa Jean-Claude Charpentier, selon information, yo était allé à l'hôpital suite à une nouvelle ça toujours. Et nous connaissons plusieurs milliers de monde qui prend à la rue Jacques Mel pendant la semaine ça pour demander libération Vélinda Charpentier qui c'est petite ville Jacques Mel. Avec nous Ralph Junior Larionne qui c'est cousin Ralph Larionne qui lui-même a confirmé pour nous information. Junior, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour, guerrier. Bonjour, tout le panel et Radio Caraïbe. C'est un plaisir pour nous. Et pour nous en ligne matin. Hein. Et bonjour, tout auditeur Radio Caraïbe. Oui, donc ça s'est confirmé. Deux monde sayo, Vélinda Charpentier et Ralph Larionne, qui c'est cousin, ils ont libéré. C'est matin ou hier soir? Oui, c'est matin. Mm-hmm. Matin, vers le. Alors, pour moi, je m'attendais à 1h du matin. Ok, ok. Je ne sais pas les exact. Ok, mais ce que même yo te côté au lag, yo te pour un bon bout de temps pour te marcher à pied pour te arriver dans l'autre zone, un côté qui et un côté alors yo rentré caillon famille nous, ok, dans zone de Thomas 32, c'est dans zone par la gueule. Et la gueule de la boule 12, dans zone la boule 12 et entre la boule 12 et Thomas 32. Donc, il a continué route là à pied, passer dans la rage pour arriver par une famille, un proche, un côté où sentir en sécurité. Nous connaissons, c'est peut-être pas toute information qu'à partager avec nous, mais qui ça, auditoire Caraïbio, doit connaître sur dossier ça qui était fait la une. D'ailleurs, tu as même gagné manifestation qui fait dans la ville natale, Vélinda Charpentier, pour demander libération. Oui, c'est objectif là qui fait n'a pas les matins, c'est pour nous mettre nous en confiance, pour nous confirmer que libération en fait, et normalement nous en forme. Mm-hmm. Bien que moi beaucoup voyou, mais nous parlons dans le téléphone, ok, yo en forme. Donc nous même avec nous matin. Et bah, malgré un pile sur code, un pile négociation, nous avons réussi à sur 9 jours. Donc pour vivre matin, c'est sur 9 jours. On ne peut pas oublier ce jeudi soir que nous avons. Dans qui état, Vélinda, rejoins-nous, est-ce que c'est le libéré à prend nouvelle maman mouri? Moi pas qu'on dit ça direct, ok, parce que moi-même j'ai toujours un travail psychologique et j'ai toujours voulu faire et dans le moment de négociation j'ai toujours voulu faire le comprendre que je n'ai pas négocié, mais normalement moi pas jamais dit ça,
Donc je ne pas connait pour beaucoup de ravisseurs. Mais moi-même, je peux dire que ravisseurs, donc priorement de les trompes, et parce que moi, tellement, et maman demoiselle, là, pour me faire. Et je viens vous faire pagayer l'argent, donc tout ça c'était pour baisser nos prix. Donc nous pas demandé, nous pas payé 350 000 dollars, mais sauf que nous déjeunons à temps. Donc sur notre chiffre. Mm-hmm. Et nous avons une idée de qui côté ou qui groupe éventuellement qui est kidnappé, puisque par rapport à côté, il y a livré là. Et, mais nous connaissons tout. Il a été kidnappé avec 11 000. Est-ce que tout a information sur la libération de 11 000 Il m'a libéré même moment avec lui. Il a tout au moins parlé avec nous. 11 000, ça, il était libéré avant ça ou bien? Non, il a libéré ensemble. Il a libéré ensemble. Normalement, il a pris dans la boule 12. Il n'est pas loin avec résidence. Qui c'est résidence Ralph Larion, là, dans la boule 12, zone désirée, c'est là qu'il était pris, yo. C'est presque là tout, il était venu, lagué, yo. Donc, déjà, et là, nous, sommes capables de planifier enterrement maman Vélinda. Donc, nous, avons date pour lien pour enterrement. N'a pas de rapport avec un proche et Jacques. Et c'est peut-être pas mon type qui m'est passé pour faire ça, puisque les mêmes lycées cousins, Ralph Larion, mais c'est n'a pas parlé tout à l'heure avec Tonton Vélinda et Charpentier, n'a pas parlé de fini avec en tout cas information ça, mais gagné la police avec la justice, non, oui, tout à l'heure Frankel, la police avec la justice dans la commune Cité Soleil qui ont même arrêté 6 individus et parmi eux yon policier yo arrêté yo hier dans yon jeep rouge, sans plaque, sans papier, et puis vite teinté. Donc, vite arrière là, teinté, selon information nous rejoignent. Infraction, yo, c'est détournement marchandises, association malfaiteur, vol à exam à exam, et puis détention illégale, zam à feu. Donc, 6 individus, ça, yo, qui arrêté, c'est Jerry Giromette, Joseph William, Jean-Louis Fritzner, Nicholson Pierre, qui c'est policier ça, et puis Valsin Jean Maudler, aka Francis Prophète, donc lui-même qu'il est là à répondre question la justice, et c'est juge Evans Lévesque qui était à le faire constat de concert avec la police. Côté gain, on zame également qui saisit avec environ 9 téléphones que ils joignent nan men ravisseur pas ravisseur mais bandit sa yo qui yo même habitué nan détourner camion marchandise dans commune Cité Soleil. Et Pierre Renel nous obligé à aller Jérémy avec Frankel Maginaire puisque gagné ancien sénateur Jean-Maxime Roumer qui est lui-même mouri hier. Frankel Maginaire, correspondant permanent nous non. Jérémy, bonjour. Allô Frankel. Donc, elle imagine un correspondant nous dans ville Jérémy concernant nouvelle l'amour Maxime Roumer, ancien sénateur département Grand Anse qui mourit hier soir dans ville Jérémy suite à COVID-19 là. En tout cas, selon proche Lio, testé positif, ancien parlementaire qui t'a pris soin à la Kaili, joint l'amour la cause complication qui t'a gagné dans cas l'IA jusqu'à ce que t'a gagné difficulté pour le respirer. Frankel Maginaire, nous connaissons sénateur Maxime Roumer, tu es sénateur pendant 3 fois et c'est rare monde qui arrivait dans pas ça pendant tout le temps ça, et il t'a dirigé tout yon université dans le département Grand Anse, son monde qui très connu, très impliqué dans la vie et monde dans le département Grand Anse. Et yon première réaction sur l'amour sénateur qui mourit hier soir, c'est ça? Oui, bonjour le monde. Et bonsoir à la fois et le monde, Grand Anse là, nous saluons à travers différents médias. Et pendant que nous élaborons comme ça, et studio, premier aspect d'information, c'est que mauvaise nouvelle pour le pays, la Grand Anse en général, d'une bague d'humanité entière. Victime de la mort, il y a un groupe d'autorisation qui s'est jamais exprimé,
après-midi, jeudi 27 mai 2021, à la CAELI, et j'étais capable de dire dans deux membres, famille Roumer, Bodj, Rémi Roumer, dans Jérémy. Première information, apprendre nous, Guerrier Pierre-Emel, et depuis plus passé une dizaine de jours, les citoyens ont gagné un malaise qui présentait sous forme de détresse respiratoire sévère. En bon créole, il n'est pas capable de respirer bien. Les responsables de santé publique dans Gradas, qui fait tout ça, ils sont capables. Même si à domicile, pour te porter les bonbons oxygène, avec les médicaments nécessaires pour te sauver la vie iconique. Qui c'était à la fois un combattant de bonne cause démocratique, mais hélas, il va agir et pour l'autre monde. Citoyen Jean-Maxime Omer, studio, pour m'expliquer un peu, sous plan politique, et c'est membre fondateur coordination résistance Gradas Corriga, qui n'est pas un parti politique, et mais de préférence qui fait l'organisation sociopolitique sur l'Ontario à plein nom. Sénateur a plusieurs reprises sous département de l'Ontario, et quant au Galespoir, et bien, m'a connu tout récemment. Et initiateur numéro 1, ma carte rapport diplomatique coopération haïtiano-cubaine sur l'administration présidence et négociation rurale dans le domaine sanitaire, agriculture, bousquetier, bougeonne, femme, jeune garçon, qui a l'étudié dans le pays Cuba. Ancien sénateur Jean-Maxime Lemay et Pierre Enel, et ma vie, selon toutes les informations, avec un docteur qui donne, Tissé et Anne, qui m'a trompé de noir. L'idée est, de façon officielle, non plus tout de suite que je connais. Et Jean-Maxime Romain est fondé par l'INOGA, qui fait l'Université Nouvelle-Gradas, qui est parlé de l'IA à travers le FLN, ou l'ONG Coopérato, qui travaille en protection environnementale pour protéger Pat Macaya ou Dimanche. Et qui s'est parlé de Batman Sud avec Gradas, la question de l'université, l'on connaît qui ça et Pat Macaya représenté et en groupe Caraïbes. Par une personnalité à l'essai, ou d'une personnalité là, Jean-Maxime Romain, haïtien d'origine de famille roumaine, et tout d'abord qui s'est nommé là. Qui connaît l'écrit bien sur la savoir pour nous. Et lui, il y a connaissance dans le domaine économique, sur l'artiste. Comme artisan, il s'était toujours des travaux d'art. Ma atelier la Kali à partir de visite dans l'époque qui n'était pas mal loin. Et il y a un bel tableau et qui est capable de dire une description qui est basée sur question la nature. Alors monsieur lui-même, c'était un monde qui était environnement pire. Il y a un élevage, il y a de l'éducation, il fait l'hôpital communautaire. Pour moi, qui a ville du côté de BKD, et il fait le coïncide pour tout le monde. Comme ça, il fait le balcon, il a dit tout ça, de façon pour faciliter le paysan, pour donner accès à tout le bagage à eux. Et pour un jour, Jean-Maxime Romain, lui-même tout, il était bien attachement avec toute la série de beaux garçons. Quand on a parlé de jouer avec son collaborateur Monique Okaï, et Baptiste Lola, et qui a tout le monde connaît, sous le nom Altima, et j'ai fait samedi avec la nouvelle de finir, ingénieur Alex Lama, et Madame Liv Marianne, qui sont combattantes dans la question Corriga, à toute la série de l'autre monde qui est capable de ça accepter. Le moment là parlé là, il a sorti de là, il connaît lui roi pour nous de là, il a l'île moins. Mais quand même, je vis vivant, visible et palpable, là l'histoire et de l'enjeu humanité en général. Il a un monde, il a un monde quelconque, et nous permettons à partir de l'évolution sur la soirée, la capable d'aller de similaire là, et de façon approfondie et à accepter ce que en termes de biographie et historicité, et l'innommé Jean-Maxime Romain, de la ville qui a marqué l'histoire de par veille sociopolitique et le département pour la ville de Haïti en général. Et si vous avez une question. Galvez, c'est une question pour. Bonjour. Nous avons connu comme sénateur Mouille Coronavirus, est-ce que l'État
et prendre cadavre en charge, parce que comme nous connaissons qui dans les a représenté la population jérémien, est-ce que l'État gagne cadavre ça dans mille déjà? Ok. Voilà. On connaît Merci à partir de l'Espagne. Là, l'Italie nous dit que nous avons fait pour l'achat et qui ça, Galvez? En fait, je ne sais pas si vous-même vous confirmez que c'est de COVID-19 que les mourir, puisque nous avons gagné à sous ABC. Fait pour nous. Donc, Galvez, c'est demandé, est-ce que Caravla est sous contrôle l'État haïtien, ou du moins si vous quittez Caravla, dans mes familles? J'en ai capable de là, son personnel de renom. Et qui a quand même. Mais on prend l'achat d'État qui fait la réclamation vers le nord, il n'est pas un secret pour personne, s'il est en détresse respiratoire. À mon cœur, l'on prend son suspicion de corona. Malgré moi-même, je vais tester de façon officielle pour me communiquer, nous, en tant que représentant à ce département, mais il y a un prix d'achat qui fait cadavre à côté qui fait ça, le cadavre. Et question de mettre la sac moutière. Vous comprenez? Oui, bah oui, c'est un petit réserve, une information comme ça qui est une douane. Exemple, une prise en charge sanitaire qui fait à partir de cadavre ou poteau de gaz comme ça, en termes de. Si toutefois, tu as arrivé le Tesla, c'était ça de façon officielle, publique, et que pour que l'État lui-même soit limité à un certain niveau de par mesure sanitaire. Vous entendez là, guerrier? Vous comprenez? Il y a des sacs moutières qui délivrent. Et c'est le ministère de la Santé publique lui-même qui va les familles proches de nous pour qu'ils fassent une prise en charge rationnelle. Vous comprenez de cadavres et icônes. Vous comprenez? C'est ça. D'accord, merci un peu. Pas de problème. Angèle, contact. Non, même si j'ai ça, c'est un gros perte guerrier pour tout département de Somme, mais surtout pour paysan par rapport à la présentation qui fait sous mon sénateur Maxime Roumer, théier, politicien, professeur, ancien parlementaire. D'ailleurs, nous, il était élu trois fois sénateur. Par contre, en pile monde qui gagnait chance ça, sénateur en 1995, était élu sénateur en 2006, et dernière fois, l'État pral élu sénateur, c'était en 2009. Nous devons retenir, lui a dirigé une université, et c'est Pigo, université de Kadi qui gagne dans le département Grand Ancien depuis environ 10 l'année, université ça, qui c'est université nouvelle Grand Ancien Noga, qui spécialisait dans l'agriculture. L'autre témoignage n'a pas rejoint sous la vie ancien sénateur Maxime Roumer qui mourit hier. C'est un collaborateur de l'université, ça, un coopérant cubain Pedro Guerrero, qui est secrétaire académique dans l'université. Pedro, créole là pas fin trop bon, son créole qui ont déjà rapproché par Galvesa, mais quand même on est capable de font y parler avec nous puisqu'on t'a souhaité ça. Donc qui moun qui allait là, qui personnalité qui est parti hier soir suite à coronavirus, Jean a présenté situation. Donc ou même qui moun nous te connaît non qualité, yo présenté à ancien sénateur, professeur, surtout Maxime Roumer. Bonjour Pyrénées, bonjour Caraïbes, bonjour tout le pays, bonjour la grande dame spécifiquement. Bon, c'est très triste, c'est dommage. Nous perdons un peu intellectuel, nous perdons un gros nombre d'État. Bon, Maxime Roumer, c'est un comme un idole pour nous. Bon, moi, j'ai la première fois que j'ai rencontré Maxime, c'était sur une série de livres, sur son activité que j'ai profité de faire sur Kiva. Et moi, impressionné sur le niveau de connaissance, sur le niveau intellectuel que Maxime était parlé sur Kiva. Bon, Maxime, nous t'étudions l'histoire qui vient depuis Timon. Et Maxime, tu as un espace pour une partie dans l'histoire qui vient, que moi, je crois que j'ai plusieurs spécialistes. Plusieurs monde que j'ai fait doctorat, gros professeur, que vraiment je n'ai pas connu l'espace. Ça t'a impressionné, moi, en pile. Bon, moi, je pense que la grandance, je dis à l'église en pile, parce que Maxime, il était un monde. Moi, oublié parler de Maxime en présence. Pas qu'à parler avec lui comme si il parlait. Pour moi, Maxime, là,
pour moi, Maxime, c'est un devoir pour nous continuer mission intellectuelle, mission académique, et Maxime, oui, pour nous dans la grande danse. Et essentiellement, moi, parce que tout sur la question de la collaboration, parce que Maxime, c'est un monde qui tout le temps lui pensait que lui n'a pas son bagage pour qu'on lui pose un monde avec lui, lui pose une collaboration avec pour lui réaliser tout le reste. Pas. Que pas seulement concentré en dans l'université Nouvelle Grande Danse, pas seulement tout en tant qu'une excellente mission comme parlementaire, comme sénateur, sinon tout comme un homme social, comme un monde qui connaît sans plus de PayPal. Parce que, bon, moi, je suis après Mathieu, tout, la caille Maxime, l'ancienne caille papa, l'ancienne caille tonton, lui, Maxime, Emile Roumel, il est tombé à terre. C'est primé l'espace, moi, j'ai gardé après Mathieu. Et primé la caille Maxime dit, il faut nous se faire façon. Pour nous jouer un docteur qui vient encore, pour nous venir de nous. Moi, je suis bon, Maxime. Il s'est privé l'espace. Je me regarde comme. Il perdit quand tonton lit que c'est ton personnalité. La caille pour te lever. Il n'était pas un espace personnel pour réfléchir, pour qu'il parle. Primer bagage là, c'est pour nous contacter, brigade qui vient, pour nous trahir une autre mission qui est entrée dans la grande danse, pour nous ne pas prendre malade, pour nous ne pas continuer à mourir. Mais parce que vraiment, c'était très difficile pour moi parler aujourd'hui. Bon, vraiment, tout douce et humaine. C'est ça, oui, en plus l'émotion en voir. Et Pedro, donc avec la mort Maxime Roumer, qui a venu à l'université ça, une université qui était formée en plus le monde en agriculture, donc. Université ça d'ailleurs lui qui formait lui l'autre bois, donc c'est lui même tout qui te permet que aller Jérémy, c'est à travers Maxime Roumer ou découvrir Ville Jérémy. Bon, c'est vrai, c'est à travers Maxime Roumer moi découvrir Ville Jérémy. Maxime offrit moi une opportunité, lui ouvrit moi une porte en dans l'université. Bon, moi grandis tout et à niveau professionnel avec Maxime, moi apprends en pile bagaille dans la main li, pas seulement sous question académique seulement, sinon sous question comme garçon, comme monde pour comprendre l'autre monde. C'est grâce à Maxime, moi fais la vie pas dans Jérémy tout. Maxime offre moi un espace, Maxime offre moi une opportunité. Moi parce que vraiment je dis à Pyrénées, Caraïbes, la Grande Danse, Haïti, nous je dis à son sous que nation chez eux, nous sommes très tristes parce que nous perdons en grand net, nous perdons, on est que nous payons trop facile, on est tant que nous l'on est dit moi. Son Jacobinois. Nous prédions Jacobinois, je dis. Merci beaucoup, Pedro Guerrero, qui c'est en cubain, mais qui a enseigné dans l'université, ancien sénateur Maxime Roumer, là, dans Jérémy, qui exprimait tristesse, mais avec un pile émotion suite à nouvelle. Là, moi, sénateur Maxime Roumer, qui mourit hier après-midi dans la ville Jérémy, selon proche lié. C'est à suite à COVID-19. COVID-19 là qui continue. Pedro, toujours avec nous? Oui, moi là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Radio Caraïbes pour hommage à vos sénateurs, grand sénateur Saint-Maxime Roumer. Faut nous songer, Maxime. Faut nous continuer à travailler dans la grande danse pour nous un pays plus développé, pour nous un pays pour la caille nous. Pour nous voir l'autre Haïti, parce que tout le temps Maxime il était songé, dit moi, il connaît répété moi, non phrase en espagnol, que lui dit comme ça, toute la gloria del mundo cabe en un grano de maïs. Ça veut dire que n'importe qui sénateur, n'importe qui ça ouye, aucun personnel pas plus important qui la vie paye. Merci beaucoup, Pedro. Tu comprends Pedro très bien, Alexander Alves. Bon, oui, on comprend très bien. On a parlé que là, mais l'accent, quoi. Non, faut, mais c'est vrai, on va faire ça. Mais l'accent. Non, attendez, non, ça. Bon, nous pas qu'à faire ça, on va faire ça. Ça, c'est pas les clés, quand même. Vous voyez, là, normal. Normal, clé. Non, mais ça, on reconnaît les. Gardez ce qui est clair, parce que Pedro. Donc, Pedro a peine. Il vient d'un pays, il a peine de 4 ans, 2 ans. Mais en tout cas, c'est même accent. C'est ça, c'est ça. Alors, moi-même, je demande, il faut que moi, j'ai allé. Alors, il ne va pas comprendre moi. Parce que. Les gens qui ont un virus, alors le cadavre, ça, l'État doit prendre. Ok, l'État doit prendre. Ils comprennent. Excusez-moi, je vais vous dire, c'est le même gros général qui mourit. Gros chef qui mourit, l'État qui a un cadavre là. C'est-à-dire que moi-même, je vais tout dire l'État ça. Les gens qui ont un virus, il faut que l'État qui a un cadavre là et il ne faut pas avoir une famille dans le cadavre là. C'est très dangereux. Donc, le coronavirus là, nous voilà qui a frappé.
bien fort pays a en pile cas et selon personnel santé yo en pile monde qui a privé l'hôpital yo et qui gagne corona virus là qui surtout frappé face à administration publique là un nouveau directeur général testé positif Charles Ernest Châtelier DG Faes là lycée Mungo Naïf même Jacques Met Chesnel Pierre nous songe qui mourit samedi 22 mai passé à suite à coronavirus selon premier information pour Koulia nous apprend DGA prend soin cal nécessité selon Sanouli dans yon note fonds assistance sociale Faes mettait de yon côté les annoncer yon équipe ministère santé publique a bien pour dépêcher matin dans local institution pour la tester employé et guerrier malgré cas moun connu qui a attrapé COVID-19 là en pile citoyen toujours pas quoi dans existence maladie nous te suivi un reportage pendant semaine d'un côté moun yo continue à vivre comme avant surtout dans marché public qui au métro dans transport en commun en question matière est-ce que forme communication qui est utilisée pour sensibiliser moun yo ta gagne pour accueillir un comportement pareil avec nous en ligne Saint-Tony Fanfan qui c'est professeur communication dans faculté sciences humaines université l'état professeur bonjour. Bonjour Pierre-Renal Louéné, bonjour Guerrier, bonjour Galvez, bonjour Bobsé, bonjour à toute famille Université Novatrice d'Haïti qui branche l'émission 1 du côté de Wanamette, du côté de Jérémy, du côté de Port-au-Prince. Bonjour à toute population haïtienne qui branche l'émission première occasion dans le moment. Donc c'est un plaisir d'être capable de participer avec nous dans l'émission 1 matin. Et permettez Pierre-Renal que vous me présentez condoléances à la famille et Maxime Roumer, parce que donc il fait partie de la communauté universitaire, donc puisque comme recteur d'université, comme professeur, donc me présenter condoléances à toute famille, ok, donc recteur hein, également à population, je dirais, Gradensla. Et nous invitons au matin pour nous garder du point de vue communication qui. Jeune capable d'expliquer comportement et un bon parti dans Haïti face à coronavirus là. Problème ça a été posé dans pas qu'être l'autre pays. Au départ, moun yo était réticent, mais par la suite, moun yo pral conformé à de restrictions autorité pays yo bail sous corona. Mais nous, en Haïti, jusqu'à présent, et malgré information yo qui a montré qu'un moun cap victime et pas les moins, dont pas qu'être moun connu dans le pays, majorité population était posée par rapport à disposition que l'État doit prendre. Est-ce que nous sommes capables de lier comportement ça à forme de communication qui est utilisée pour sensibiliser Mounio, professeur Fanfan? Ok, merci Pierre-Renel. Alors il faut dire que le problème qu'il a posé là, donc question coronavirus, c'est un problème de santé. Donc, coronavirus, là, c'est une maladie contagieuse, ça veut dire qu'elle transmet mon atmoun. Et le fait qu'elle transmet mon atmoun, donc, il y a aussi plutôt un problème, disons, social, c'est-à-dire problème rapport mon atmoun. Étant donné que, donc, il pose un problème, disons, social, c'est-à-dire relation mon atmoun, il y a plusieurs disciplines aussi capables de dirais, expliquer, ok, et de conséquences ou du comportement que vous êtes capable de gagner par rapport à ça. Donc, vous êtes regardé du point de vue sociologique, vous êtes regardé du point de vue psychologique, vous êtes regardé du point de vue anthropologique, tout comme vous êtes regardé du point de vue communicationnel. Et nous pensons que c'est ça que nous pouvons faire matin là. Alors, il faut dire que là, on a parlé d'approche communicationnelle par rapport à la gestion et COVID-19 là. Nous allons faire un exercice assez difficile pour dire ça parce que il y a plusieurs approches communicationnelles que NDK, disons, utilisées pour expliquer le problème que nous, justement, identifions.